C'est pas si facile que l'on pense, se lever le matin. La vie se rêvait pour un soleil qui brûle chaque jour un peu plus loin, un peu plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout va plus vite, c'est automatisé. Mais la vitesse me brûle et m'étourdit, j'ai peur de sortir de mon lit, de vivre ma vie. Quelle est la différence entre un franco-manitobain et un néo-brunswickois francophone? Oh, mon petit vieux, je roule pas trop vite, tu vas te laisser sur la place et faire un petit oui. Pourquoi c'est un manitobain et un néo-brunswickois qui rentre dans un bar? On parle tous les deux français. Qu'est-ce qui est unique au nouveau truc? Moi je reste de voir des drapeaux à casier vraiment partout. La mentalité du monde. Ah, dans quel sens? Dans le sens que pas mal tout le monde va te respecter pour ce qui est. Je pense que c'est le fait que c'est si une petite province que comme n'importe qui, n'importe où, c'est où et tout. C'est tellement facile de se retrouver. Et c'est on peut. C'est on est capable. Non, c'est... Ici, être, on peut. Le monde de vos caracettes, on les appelle le monde de BC. Le monde de BC, ils t'attendent avec des bouts de pipe, puis des wrenches, puis... Ouais. Des crossbars. Non, sérieux, je me demande si des places, les personnes des petites communautés ont des surnoms pour les autres petites communautés. Savez-vous combien il y a d'écoles francophones au Nouveau-Brunswick? 22. Comment vous savez ça? Secondaire, mais primaire avec ça, je sais pas. Oh. C'est vous, qu'est-ce qu'une chanson populaire du Manitoba? Quoi? Ben, je pense que ça vient du Manitoba. J'aime le bizarre. Non, c'est... Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour. Je suis seule avec mes rêves sur la montagne. Une voix me rappelle toujours. Don't do that. Manitoba? Ben, moi je trouve qu'ils sont plus gagnants le fait qu'ils sont minoritaires parce que la force est beaucoup plus là. Le fait d'être. En fait, pour moi, le fait qu'on est une province bilingue. On se pète les bretelles par le fait que c'est bilingue, mais en fin de compte, la bataille n'est pas gagnée. Elle est juste à mi-chemin puis elle est stagnante. Tandis qu'eux, ils ont un chemin à faire, ils ont un plus grand avenir. Ils ont une bataille, un cri de ralliement qui peut vraiment crier puis que le monde avoir un lien beaucoup plus fort entre eux. Comment est-ce que tu perçois le Manitoba? Quand ils vont parler anglais, ils vont parler anglais. Quand ils vont parler français, ils vont parler français. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de mix entre les deux. Mais check moi ce qu'on se fait pas avoir. Puis qu'ils parlent chiac et d'autres pareil. Oui. Ben, je me demande si le Manitoba est l'équivalent de chiac, mais parle là-bas. Là, t'as le Canada, t'as le Manitoba, puis t'as le Manito-O. Quelles sont les ressemblances entre un francophone du Nouveau-Brunswick et un francophone du Manitoba? Les deux vont parler français. Sérieusement, je crois que les Français manitobains vont mieux parler français que les Français néo-brunswickois. Parce que les autres se forcent beaucoup plus à garder leur langue française que nous autres. Je pense que le Manitoba perçoit le Nouveau-Brunswick comme la province qui est juste comme regardez nous autres, on est bilingue! Oui, sérieusement. Ben, les premiers habitants, ben, c'était les Métis. Qui ensuite, quand que les arpenteurs sont venus, pour tracer des lignes après l'achat des terres de l'Ouest. C'est plat! Qu'est-ce que tu penses qui est différent au Manitoba? Je pense pas qu'il y a de poutine râpée. Ok. Je pense qu'il y a de la poutine. Ok. Moi, je me demande si les communautés francophones du Manitoba font beaucoup d'activités puis de festivals pour promouvoir la langue française dans leur communauté.
non, pas la popo! C'est la popo! Monsieur, monsieur, la police! No, it was a joke. Comment tu penses que le Manitoba perçoit le Nouveau-Brunswick? Moi je trouve que ça ressemble à un poulet. Un Nouveau-Brunswick? Oui, ça ressemble à un poulet. Un poulet? Oui. Hello!